Un téléphone en Wi-Fi, donc qualité pas top. Donc là, je suis en train de m'amuser avec des vieux appareils CB. Je vérifie s'ils sont bien réglés en fréquence, mais j'aime pas trop toucher ça. Donc je vais me contacter de le faire sur des petits appareils type 40 canaux. Voilà, de ce style. Donc là, on a un Midland 77099. L'appareil, le fréquence-mètre, je l'ai laissé chauffer un bon petit moment parce que les fréquences bougent. Par exemple, à froid, on va le régler sur le 27 275, et une fois chaud, bah, il sera complètement déréglé. Donc lui, il était à 27 274 75 et je l'ai ramené à 27 275 02. Et lui dessous, donc c'est un CRT S Mini. Donc là, il est à l'envers. Hein. Je l'ai mesuré à 27 274 92. Je vais le rallumer, on va voir si ça, s'il a bougé. Donc là, je suis à 27 274 93. Donc pour modifier la fréquence sur ces petits appareils, c'est pas très compliqué. Alors, on prend un crayon. Je sais pas si on va voir. Donc ça se fait avec cette petite une espèce de résistance variable. Je sais pas si c'est une résistance, une self, je sais pas ce que c'est. Et ça se joue au demi-millimètre près, hein, pour changer la fréquence. Ce qui arrive souvent, c'est que quand le capot est ouvert, donc là il est ouvert, donc je pense à une émission en appuyant sur le micro. Donc là j'étais à 2, 27, 274, 93. Bon, ça n'a pas trop varié sur le ouvert. Donc ce qu'il faut que je fasse, je dois faire attention à pas faire de court-circuit, surtout qu'il n'est pas en plastique là, mon tournevis. Donc je ne sais pas trop de quel sens il faut que je tourne. J'ai à peine bougé, j'ai même pas 0,1 mm là. Alors, on va voir si j'ai empiré les choses. J'ai l'impression qu'il faut que je tourne dans l'autre sens du coup. Ah tiens, un truc que je viens de remarquer. Donc là, il est sur le canal 27, donc ça à l'envers. Hein. Et dès que je mets le tournevis, sans bouger, hein, je vais juste le poser. Hein. Ça me décale complètement les canaux. Oh, c'est pas grave. Alors, je vais tourner dans l'autre sens du coup. Là, je suis à 509, donc j'ai trop tourné. On va redescendre un poil. C'est en fait le réglage est très dur, mais c'est pas plus mal comme ça, il bouge pas. Et c'est dur de en fait de bouger à peine. Là, je suis à 497. 98, c'est vraiment très très dur de bouger à peine en fait. Là, je suis trop. Alors 27 275 5 6. Et tout à l'heure j'avais dit 92 en 74 92, donc je suis mieux. Je crois que j'ai pas touché plus, donc je vais le refermer. J'ai à voir en refermant si ça modifie la fréquence, juste en reposant le capot. Alors j'ai d'autres appareils.
Donc à la base, je voulais tester un Superstar 3900 parce qu'il a des gros soucis. Il sort pas de puissance. Il a le S-Mate qui marche pas. Il fait quand même de l'émission, mais il n'y a pas de puissance. Hein. C'est 0,1 watt, quelque chose comme ça, ou 1 ou 2 watts, je sais plus. Et il part dans des fréquences genre 20 MHz. Mais je pense que c'est une bidouille. Donc là, je suis sur le CRTS Mini. Donc le S-Mètre, il est chaud. Donc là, je le passe en TX. On ne voit pas bien le S-Mètre là. Donc il est 507. Je vais aller sur le canal 1 par exemple. On va faire 405,07. Et là, ça a 26 900, je sais plus combien. 26 965,07. Ok. Donc lui, je vais l'éteindre. Brancher un autre appareil. Donc il y en a un que je faisais chauffer depuis tout à l'heure. Donc lui là, qui est très joli. J'adore cet appareil. Alors. Que je note à combien je l'ai réglé là, le CRT. Donc, j'ai dit 275,07. Donc lui, c'est un faux fréquence mètre qu'on voit là. C'est un affichage. Comment on pourrait appeler ça? Il affiche pas la fréquence réelle, il affiche la fréquence sur laquelle il fonctionne, mais c'est pas un vrai fréquence mètre. Donc tout à l'heure je le faisais chauffer, et lui par contre il est haut en fréquence. Donc là je me suis mis en AM, le mieux c'est de le mettre en FM. Voilà, une fréquence plus stable. Et il faut pas parler. Normalement on fait pas ça avec un micro. Donc là je suis à 27. 275 23 et tout à l'heure je l'ai mesuré 27 275 43 donc il est redescendu en fréquence. Bon, après le je suis pas sûr que le fréquence mètre soit juste aussi. Je vais rebrancher du coup lui, je vais pas le trafiquer par contre hein, je vais le laisser tel quel d'origine. Là, je vais le récupérer l'alimentation. Bon, c'était surtout pour montrer que le fréquence mètre qui fonctionne. Même si j'ai aucune idée. S'il est juste, pas juste, je sais pas du tout. Ok, alors on va se mettre comme ça. Je vais reculer. Ok, on voit la fréquence. On va remettre à zéro. Donc là, je suis sur le Superstar 3900. Théoriquement, je suis sur le 27 AM. AM. Oh, je n'ai pas branché le micro. Ah, si, ça marche. Donc là, il est sur le 27 275 27. Et au départ, quand j'avais testé, j'étais sur le 27 275 10. Donc le fréquence mètre ou le TX une fois qu'il est chaud, je sais pas. Mais il était éteint depuis un moment.
Donc, il serait réglé à peu près pareil que le 7000. J'ai oublié de le noter. Je me rappelle plus comment ils étaient. Je crois que c'était 23, 22. 275, 22, me semble. Donc, il coïncide. Là, je suis sur charge fictive, donc je risque pas de griller l'appareil. Donc, en puissance, ils sont entre 1 et 2 watts. Donc, j'ai la puissance qui est là, je crois. Voilà, j'ai le bouton pour la puissance qui fonctionne, hein, parce que là, je le mets au minimum, je suis à 0,2 watts. Et au maximum, je suis à entre 1 et 2 watts en AM. En FM, c'est pareil, entre 1 et 2 watts. On va dire 1,5 watts. En SSB, donc en SSB, on n'a pas de porteuse qu'on appuie sur le micro. Hein. Donc là, on voit qu'il passe en TX. J'ai pas de puissance qui sort. Hein. On voit le fréquence mètre qui bouge. Normal. Donc en général, on siffle en SSB. On parle fort, ou sinon on siffle. Donc en sifflant, il montre presque jusqu'à 5 watts. Entre 4 et 5 watts. Et je peux pas savoir la fréquence. Donc je le mets en FM. Donc 27, 275, 28. Donc là, je suis sur le canal D, la bande D. Je me mets sur la bande de C. Là, je tombe sur le 25, 540, je sais pas combien. Et j'ai le bouton en haut qui est monté. Et si je descends, là, je suis en 26, voilà, 26, 825. Et si je monte le bouton DFB, normalement c'est un filtre, mais là il a été modifié. Je suis sur fréquence 25, 545. Je me mets sur le B, 25, 0, je sais pas combien, 95. J'ai descendu le dB, donc je suis bien sur la bande de 26 MHz. Sur le A, je suis à 25 925, et si je mets dB, je suis à 20. Là, ça déconne, pourquoi j'étais tombé à 20. Donc là, un coup il marche, un coup il marche pas. Sur le B, 25 0 295 26. Je me mets sur le C, 26 825, 25, 27 275 sur la bande D, 27 275. Donc là, il est inefficace. En supérieur, 27 275, 27 725. 27 725, et sur le F, je suis chez un radioamateur, 28 175 dB, 28 175. Je suis sur charge fictive, donc même s'il y a des radioamateurs, ça émet pas, ou faut vraiment qu'il soit à côté de moi, quoi. Donc il y a cette bidouille. Alors, ce qui est dommage, que le dB, je crois qu'il est pas mal efficace, le filtre. Et surtout, si par erreur il est enclenché, et si je ne fais pas attention, sans antenne, pour avoir une antenne accordée sur le 25 MHz, voire beaucoup moins, parce que j'ai allé sur le canal 1. Là, c'est 25 615. Donc le plus 10 fonctionne. Donc ça, c'est une bidouille qui a été mise. Je reviens sur la bande de D. Reviens sur le 27. Donc là, je suis bien à 27, 275, 25. Ça a bougé encore depuis tout à l'heure. J'étais à 27. 25. Plutôt bien réglé quand même.
Surtout en AM/FM, ça change pas grand-chose. C'est surtout en USB/LSB, voire CW, ça change pas mal. Ce que j'ai pas essayé, c'est le CW, voir s'il sort la puissance. Mais je pense que c'est pareil, il sort entre 1 et 2 watts, voire peut-être 4 ou 5. CWT. J'ai branché donc. Donc lui, un problème d'émission, problème de vue mètre, parce que même quand j'appuie sur le micro, il monte pas le vue mètre, quel que soit le mode CW, etc. Donc le vue mètre ne fonctionne pas. Je vais brancher le JFK qui est juste au-dessus. Juste pour tester les fréquences. Par contre, le GFK, il a de la patate. Faut que je mette le micro. Qui soit bien la masse. Alors, je suis sur le 27. Je sais pas quelle puissance il est au minimum. Donc lui il est à 27 275 10. Et tout à l'heure je l'avais mesuré à 27 275 0 6. J'entends le bip quelque part. C'est peut-être dans lui-même, je sais pas. Voilà, pour activer le bip, on tire le bouton power. Donc 27, 275. J'attends que ça stabilise 10. Là, je suis en AM. Donc c'est pareil, la fréquence ne bouge pas. Par contre, c'est au niveau puissance, on a vraiment une bonne puissance. Donc là, je suis au minimum de la puissance. Je suis à 3 watts, au minimum. Là, je vais mettre à moitié. On va dire que je suis à 8 watts. Je vais mettre sur le calibration. Donc faut lire à gauche, hein, faut lire de ce côté. Là j'augmente, 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 j'augmente. Donc là je suis à 10 watts. Des fois il me sort 15 watts. Bon, alors je sais pas si c'est dû au wattmètre ou si c'est parce que c'est surcharge effective, je sais pas. Tout à l'heure j'étais monté à 15. Pour mesurer le ROS. En ROSmètre, ça se calibre. Donc là, j'ai mis en position ROS. On calibre sur l'écran de gauche et on lit la valeur à droite. Donc je suis à 1,2 à peu près. On met sur le calibre 10. Donc là, l'aiguille, elle est sur le 10. Et là, sur le 10. Et en fréquence, je suis sur 27, 275, 19, 19, pas 19, 10, entre 10 et 9. J'ai un autre appareil que je vais brancher. Bon, par contre, peut-être faudrait que je le laisse chauffer pour voir la fréquence si elle bouge. Allez, je vais enlever celui-là. Donc, ce qui est bien entre ce genre de président, superstar, etc., c'est que c'est le même système à trois broches avec des trompeurs au même endroit. C'est
très normalisé. Faut que je me dépêche. Lui, il a un code. Alors, le problème, c'est qu'on voit pas bien son afficheur. C'est le défaut de cet appareil. Alors, si je me concentre, on voit rien sur l'afficheur. Miaou. Alors, puissance, RF power show minimum, je vais le mettre à l'AM, je mets le squelch mode, non, je vais lui faire, je voulais dire. Donc là je suis à 27 275 1415. J'étais à 27 11 275 14, et surtout on va aller voir la puissance. Lui il en sort de boîte, il marche. On va voir s'il vous fait la même surprise. Donc là je suis au minimum. Sur le calibre 10 et j'ai 0,2 watts et je vais monter petit à petit. Donc je suis à 2, 3, 4, je suis pas encore à la moitié là. Là je suis à la moitié 5. Là je suis sur 10 watts, je suis pas à fond. Là je dépasse, je suis presque au bout. Je me mets sur 100 watts. Donc là, je suis bien sur le 10. Bon, je suis à fond. Voilà, pareil, il me met 10, alors que tout à l'heure, il me mettait 15. Donc, c'est pas, je comprends pas trop des fois. Et surtout, j'ai un défaut. Donc là, je suis à pleine puissance. Et lui il monte pas, il devrait être à fond. Alors des fois il monte, des fois il monte pas. Pour modifier l'affichage, faut se... Pardon, allo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le modulomètre marche pas non plus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là je suis en mode tosmètre. Alors, le calibrage est assez pénible. Tosmètre. Là, il m'a dit que entre 1,5 et 2 de tos. Bon, ben, il faudra peut-être que je calibre le tosmètre aussi. Et en puissance, ben, c'est bizarre. Tout à l'heure, il montait bien, puis là, il monte pas. Changer la couleur, je sais pas ce qui est mieux, peut-être le vert. On va se mettre en SFB, du coup faut laisser appuyer. 1 2 1 2 1 2 1 2 meter 1 2 1 2. Donc le modulomètre il bouge toujours pas, dommage. Et on va aller voir la puissance par contre. Donc là je suis à fond, je crois qu'en baissant les watts ça ne marche pas en USB. Ah si, ça marche sur ce poste. Je crois que c'est un des rares postes où la puissance peut être bridée par le poste en USB. Est-ce que j'avais pas touché au mic hein, du coup? Non. Alors, 1, 2. Ah, je suis sur la position TOS, non même pas.
Voilà, il manque 1, 2. Non, en fait, non. Un, deux, un, deux. Je pense que c'est un problème du micro. Un, deux. Là, il sort 20 watts en modulant. Ouais, 20 watts. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Donc, je suis entre 10 et 20 watts en modulation. Il a aussi fait 20 watts en porteuse. Et par miracle, magie, magie. 1, 2, bah là il marche plus. Ah, juste avant il a marché. 1, 2. 1, 2. Ah non, j'ai vraiment un problème du micro avec le micro. Alors je sais pas, peut-être c'est le téléphone qui interfère. 1, 2, 1, 2. Que j'ai la puissance qui veut pas monter. Un, deux. 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 Alors on voit ça, la puissance ne monte pas. Un, deux. Un, deux. Donc là, la puissance en AM marche. Je crois que j'ai un problème avec le micro. C'est étrange. Ça, c'est la charge fictive. On va remettre un AM. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bah, d'habitude, il marche bien cet appareil. Donc, pas pourquoi, là, il me fait des siennes. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon. C'était surtout pour montrer le Superstar 3900 qui, lui, par contre, sort pas du tout de boîte. Là, je suis toujours sur le Georges. Là, je suis sur le calibre 100. J'ai bien 10 watts. Mais quand je module, il n'y a pas de radio. Alors, je démonte le micro. 1, 2. 1, 2. On va mettre un USB. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ressort la puissance. Ouais, y a un problème au niveau des broches du micro. Quand je suis passé du micro de l'appareil. Et ça me coupe la réception aussi. 1, 2, 1, 2. Alors, on a même. 1, 2. Un modulomètre. Voilà, le modulomètre il marche. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et par contre, puissance,
Ils montent pas. Ils devraient monter à moi jusqu'à 9, 10. Non, je suis sur ASW là. Voilà, je suis à 1. 1, 2. En FM, c'est pareil. Un ASB, ça marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un, deux, un, deux, un, deux. Là, ça marche pas. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Donc, il faut que j'arrange ce bazar. Je vais revisser le CRT. Donc, la fréquence 275. Bah, lui, il est vraiment en 275, 0 quelques. En FM. 27 275 03. Et tout à l'heure, j'avais 11. Sept 275 03. Je rebrancherai bien le petit Midland là, que j'avais ajouté tout à l'heure. Donc le petit Midland, je l'ai réglé à 0,5 tout à l'heure. On va voir si ça a changé. Vingt-sept 275 02. Il est réglé pile-poil comme le Georges. Et lui, par contre, il sort bien ses watts. Ouais. On va voir parce que c'est tellement sensible. Je suis à position 100. Donc, ouais, je suis entre 3 et 5 watts. Je suis presque sur le 4, hein, entre le 4, entre le 3 et le 5, je suis presque sur le 4. Le CRT, il sort la moitié, il sort 2. Allez, je vous dis bonsoir. Je mets fin au live qui fut court, mais bref, c'est pareil. Mettre fin au stream.